Funk back. Aujourd'hui, on se transporte en 1748 avec un homicide argumentatif. Donc, c'est une dispute qui aurait commencé à propos d'un billet de logement. Donc, peut-être une chicane entre proprio puis locataire. C'est pas tout à fait précisé. Entre deux hommes, et là, vous allez me permettre de lire mes notes parce que vous allez comprendre pourquoi. La chicane était entre Nicolas Jacquin dit Philibert. Lui, c'est pas si mal. Mais l'autre homme, son adversaire, c'était Pierre-Jean-Baptiste François-Xavier Le Gardeur de Repentigny. Et, mesdames, si vous êtes enceinte, c'est un beau nom, ça, pour votre futur enfant. Hein? Pierre-Jean-Baptiste François-Xavier Le Gardeur de Repentigny. C'est merveilleux. Donc, la dispute a éclaté. On dit de Repentigny, on va l'appeler M. Repentigny pour les intimes, et l'autre, Philibert. Donc, Repentigny était un officier des troupes de la marine, donc une certaine expérience au doigté de l'épée, j'imagine. Et sa victime, M. Philibert, donc était un simple bourgeois, de Repentigny l'aurait tué d'un seul coup d'épée. Ce qui est étrange dans cette affaire-là, c'est qu'il a tué M. Philibert, mais ensuite a comme un peu eu quelques regrets parce qu'il est allé indemniser sa veuve. L'histoire ne dit pas, par contre, à quel montant il a indemnisé cette veuve-là, mais au moins, il y a eu quand même une pensée pour la veuve de sa victime. Mais malgré cette délicate attention, monsieur a décidé de ne pas faire face à la justice, et il s'est enfui, tout simplement, et bon, on l'a condamné à mort par contumace, lui aussi. Vous allez comprendre qu'évidemment, il n'est jamais revenu pour prendre ses responsabilités. Donc, la sentence n'a jamais été exécutée, évidemment. Selon l'auteur Raymond Boyer, M. de Repentigny l'a quand même retracé, donc serait mort en 1776, alors qu'il était devenu gouverneur de Mahé dans les Indes françaises. Donc voilà, il a échappé à la justice, lui aussi. Bonne journée.